André, la grosse actu en ce moment, c'est évidemment la lutte pour la montée, le match de Lens lundi prochain. Mais l'autre actualité du football français, c'est cette demi-finale de Champions League entre Monaco et la Juve. Mm-hmm. La Juve, c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Bah, parce que tout simplement, j'ai joué 5 années là-bas avec la Juve. J'ai joué 5 ans. J'étais un très jeune joueur. Je sortais du centre de formation de l'AS Cannes. Et j'allais avoir 18 ans en septembre. Et en août, la Juve, ils sont venus me voir à Cannes. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai vécu beaucoup de super belles choses là-bas. Et que je ne regrette rien de ce que j'ai fait. C'était très, très dur pour moi et même pour les autres gardiens qui étaient avec moi. Parce que même aujourd'hui, il est encore là et il joue. Tu te rends compte en arrivant que tu as à côté de toi un gardien extraordinaire ? Alors je sais que Buffon est un très très bon gardien, mais je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là qu'il est en ce moment. Tu as entretenu de bonnes relations avec lui ? Avec lui, j'avais de très très bonnes relations. C'est quelqu'un de très simple, comme beaucoup des joueurs qu'il y avait là-bas, ils sont très simples. Et franchement, c'est quelqu'un qui va te mettre à l'aise assez, assez rapidement. Question piège du jour. Juve Monaco, tu es pour qui ? Bah, je serais pour la Juve.